Bonjour à tous, rubrique Open Tuning, où cette fois-ci on s'intéresse à l'accord ouvert de Dadgad, donc Ré la Ré, Sol la Ré. Voilà, on va commencer par s'accorder. Donc, je vais vous donner les notes du dadgad. Donc, ré la ré, sol la ré. Pour l'instant, il n'y a que le ré grave qui est descendu, donc le mi qui est descendu d'un ton. Donc, on a deux fois le la et trois ré. Donc c'est un accord ouvert qui ne donne pas, contrairement par exemple à l'open de sol ou l'open de ré, qui quand on joue toutes les cordes à vide ne donne pas un accord, mais qui a l'avantage d'être ni majeur ni mineur, c'est-à-dire qu'on est en plus particulièrement en ré. Voilà, si je joue ici un la sur la corde de sol, on a un ré 5 en fait, et donc ni majeur ni mineur, ce qui permet une certaine souplesse. En dadgad, on peut jouer aussi bien ré majeur, ré mineur. C'est assez pratique. Le premier exemple, en fait, on utilise une position de ré 5, mais comme la deuxième corde est descendue d'un ton, au lieu d'avoir ici un ré, on a un do. Donc ça nous donne la septième, qui vient du coup sonner en même temps que le ré. Et donc ensuite, ce plan-là, c'est d'inspiration un peu rock. Donc des hammers, des pull-offs, un petit bend sur la corde grave, ce qui est plus facile puisqu'elle est détendue. On passe à la corde de sol, donc tout en cinquième case. Là aussi, c'est un sol 5 en fait, il n'y a pas de tierce. On finit sur si bémol. Voilà, on va passer à l'exemple 2 qui va être joué au doigt. Petit arpège qui utilise les deux cordes aiguës à vide. On part d'une position de ré majeur. Et donc c'est toujours la même formule qu'on va appliquer en descendant, en changeant de position. Donc en tierce. L'occasion de réviser les tierces descendantes en ré majeur. Et toujours la même formule, pouce index majeur, pouce index majeur, pouce index. Voilà, donc à travailler pour lentement pour que ça devienne un automatisme et ensuite on accélère. Voilà. Troisième exemple celtique.
Voilà, petite gigue, donc musique celtique qui emploie beaucoup le datgad. C'est très courant dans ce style-là d'utiliser cet accordage-là, notamment quand on joue au doigt, donc fingerstyle. Donc écouter des guitaristes comme Pierre Bensoussan, pour n'en citer qu'un, qui a largement contribué à populariser cette façon de s'accorder, et qui maintenant joue d'autres choses que du celtique, mais souvent toujours en datgad. Donc ici, le principe, c'est d'avoir une basse régulière, qu'on étouffe un peu, et par-dessus ça, mouvement mélodique avec beaucoup d'effets de jeu. Beaucoup de hammer et de pull-off. Et l'idée, c'est de synchroniser les deux. Synchroniser les deux. Un peu plus délicat, on arrive en glissant sur la quatrième case. Et là, on change de basse, on joue un sol à la basse. Et on finit sur la tierce ici. Voilà. Et deuxième partie. Le thème est un peu différent, mais c'est le même principe de jeu. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ce style, c'est l'occasion de le travailler un petit peu. Vous familiariser avec le datgad, essayer de trouver vos propres exemples, adapter les thèmes traditionnels en datgad, c'est assez amusant à faire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine rubrique Open Tuning. Salut à tous.